concept unique à l'époque. En 2001, on a osé faire concept hybride de cave et bar. Le concept V&B, c'est l'innovation permanente, c'est des activités inattendues, des marques décalées. Et 20 ans après qu'on ait donc créé V&B, on a donc osé faire le V&B Fest, un festival. Et c'est vrai que le fait qu'il porte aussi notre marque derrière, ça c'est quand même un risque. On est très proche de V&B, donc la prise de risque, elle est tout le temps dans la proximité qu'on a et de la distance qu'il faut prendre avec les projets. Donc, et aller jusqu'au bout dans l'accompagnement avec eux. C'est l'ambiance sociale qui est vraiment magique chez nous. On fédère très fort dans le groupe, que ce soit le groupe, au siège. Et ça, vraiment, on est fiers de ça. Je pense que c'est la fierté du groupe d'avoir été là au démarrage aux côtés de V&B à la création et d'avoir un peu accompagné sur tous nos métiers depuis 20 ans et d'être encore là, avoir leur confiance. Il faut qu'ils aient la niaque, il faut qu'ils aient la grinta, il faut qu'ils aient de l'empathie. Alors nous, on a essayé de comprendre comment V&B sélectionnait ses franchisés. On n'a pas compris, mais ils ont compris bien avant nous. Ils n'ont pas besoin de nous pour le savoir. Le franchiseur doit toujours veiller à ses franchisés, mais surtout, il doit avoir la bienveillance, être à l'écoute, soutenir et faire grandir. Pour moi, un franchiseur, c'est quelqu'un qui amène un concept qui peut être dupliqué, ce qui n'est pas forcément le cas de l'entrepreneur. Faut demander à Jean-Pierre. C'est la routine, au fil du temps. Ça, c'est pas bon du tout. La confiance. La sincérité. L'écoute. Encore, encore, encore et encore.